Bonjour et bienvenue, on est reparti dans plus de Phoenix Point. On n'arrête pas de changer d'avis sur ce qu'on doit faire, parce qu'il se passe toujours quelque chose en fait. Donc on va essayer de se concentrer, parce qu'on a mis un peu les quêtes de mission de côté. On avait un peu commencé le chaos, mais là on va commencer Biogenèse et la deuxième initiation. Il va falloir qu'on fasse ça un peu, parce que c'est vrai qu'on tourne un peu en rond. C'est parti! On va d'abord rentrer vite fait. T'es sérieux là? Oh là là, c'est qui? C'est les purs. Attaqué par les rejetés. Ah, ok. Alors, le manticore, tu peux directement aller là. L'Hélios, on va changer une personne. Ok, très bien. J'avais dit, on change toujours de choses. Incroyable ce jeu. Alors, toi tu vas te reposer, Johnson. Ils sont attaqués par les rejetés et ça a l'air d'être assez violent. J'aime bien parce qu'on a l'impression qu'on perd du temps dans le jeu, genre qu'on n'avance pas, que c'est très long. Mais en fait, les heures, elles passent au final lentement parce qu'on a toujours des choses à faire. Donc, en fait, ouais, c'est une impression bizarre. Bon, on va prendre Violetta, je pense. Hélios, ça ferait quoi? Deux snipers. Rosa, Luciano et Violetta. Est-ce qu'on a une meilleure sniper que... non, ça va. Luciano, c'est lequel qui a le pistolet d'assaut? Non, c'est pas toi. Celui-là au pistolet, j'aime beaucoup. Ah, mais c'est Abdel? Non, Adèle. Abril? Non. Adèle. Non plus. Mais c'est qui avait le... Oui, c'est... Ah, non, c'est Alexander. Alexander qui a le pistolet. Ouais, on va prendre Alexander. On va prendre Alexander... toi on va te remettre, toi prendre Alexander. Alexander j'aime bien. Violetta. Violetta c'est bête parce que t'as pas des trucs extrêmement utiles. Et on a quand même mis quelques points dans toi. Le mieux ça serait... Non. Ah non, c'est Luciano qui a... Non, c'est qui a le... Fantassin, c'est elle. C'est Adèle qui a Fantassin. Ouais, Fantassin, ça peut être vachement utile. Va falloir qu'on commence à utiliser à Adèle, en fait. Ouais, Adèle va être mieux au final. Elle est ouf. Car elle va avoir ça, elle va avoir Fantassin. Donc honnêtement, c'est mieux. Après, ses points sont pas bons. On va le mettre à 15 au moins. Mais ses points sont pas bons. Il faudrait tout lui mettre en vitesse aussi. Ça, c'est parce qu'elle a pas fait beaucoup de missions. C'est ça le problème. C'est ça la différence. Alors que Violetta, si. Bon, il nous faut de l'équipement.
Alors, hop, hop, hop. Ah mais non, mais tout le monde est bon. Je t'ai enlevé de l'équipement, mais en fait non. Alors, Adèle, t'es équipée. T'as du soin, t'as des balles. Très bien. Alexander, t'as ton pistolet laser. Le AR1. T'es nickel. Rosa, elle est bonne aussi. Sian, t'es bon. Toi aussi, t'es bon. Allez, c'est parti. Allons sauver le monde encore une fois. C'est parti. Ils sont arrivés ensemble. Pas mal, hein. On allait récupérer des gens et tout ça. Ah, ils sont bien les Enios. Allez, c'est parti. Donc, ça c'est les rejetés. Moyen, jour. Les rejetés c'est... Ah, peut-être qu'on va pouvoir récupérer du matos. Ça serait pas mal, les rejetés ils ont des lasers et des trucs comme ça, la plupart du temps. Donc ça serait bien que ça se passe bien. Il y a toujours des choses qui se passent. En fait, du coup, on perd du temps entre les voyages d'un point à un autre. C'est ça, en fait, qui pose problème. Et on a l'impression de pas trop avancer dans l'histoire. Du coup, on met l'histoire de côté, genre les missions d'histoire de côté. Ça arrive souvent. J'aurais dû un peu plus avancer là-dedans, en fait. C'est mon seul problème en ce moment. Enfin, je le sens. Structure clé à protéger. Alors on a des zones de brume. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce serait pas mal, ça. Ready, willing, and able. Toi, t'es quoi ? Fusil de précision. C'est quoi, ça ? Grenade chimère. Grenade toxique du Synédrion. Cool. Eux, ils ont pas de... Si, ils ont un pistolet. Un pistolet qui fait mal, en plus. Je sais pas trop quoi faire. Enfin, l'approche. Je sais pas trop comment approcher ça. Sniper, je dirais qu'on les fait monter. Tous les deux. Mettre sur les toits, comme ça ils pourront... pourront tirer sur les bras. Let's go. Ou tuer.
Désolé, Synédrion. Connection established. Tagging enemy. Tagging enemy. Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Let's see what we can do. Oh mon dieu, teubé quoi. Oui. Sac de dégâts, le machin. Je sais pas ce qu'il faut lui, mais n'importe quoi. Ah, bah oui hein. Putain, on va devoir faire tout le boulot quoi. C'est parti. Non mais sans déconner quoi. I'm on the move. Come get some. Oh merde. J'avais un peu oublié ça. Right there. Acquiring target. Toi, tu vas paniquer. Heading out. Ready to engage. Il y en a beaucoup quand même. Holding position. Il y en a un petit paquet. Ah, il y a un arbre devant. Tiens sur l'arbre. J'ai détruit son arme. Ouais. I did not vote for this plan. Oh, si tu restes là. Si tu restes là, tu vas te faire couper en deux par Rosa. Ben, j'espère. Oh, tu peux faire du contrôle mental. Pas mal ça.
Ça sent le missile. Pythagore 7. Alors est-ce que tu as paniqué ou pas? Parce que t'as 8 de vie de viral là. Moins 8 t'as eu, ouais. C'est bien ça. Alors... Du coup, on devrait pouvoir te couper en deux. Heading out. Toc toc. Gotcha. Pas mal. Finger on the trigger. Oh. C'est ouf quoi. Acquiring target. Ça a touché? Que dalle. Putain de merde. Mais vous craignez les mecs, hein. I'll be right there. XCOM. Preparing to fire. Attends, parce qu'on n'a pas tué lui encore. Il y a Rosa juste derrière. Faites marrant, tu vois. Désolé, Rosa. Aiming. Pas mal. Oh, il est en train de soigner le Synédrion. Sympa ça. Je crois que pour l'instant on a rien à terre. On n'a aucune arme à terre. Ce qui est un peu triste. T'es en train de partir toi aussi, ok. Ouais, panique évidemment. Non mais vous déconnez sans dé... Aïe aïe. J'avais assez de points pour que je fasse la truc. All I need is a clear shot. I'm on the move. Target's in sight. Repositioning. Repositioning. C'est quoi ça qui est parti? De la merde.
Ah, je peux pas avancer. Sans déconner, je peux pas avancer. Putain. Je peux pas sortir du coup. Ok, là il y a un objet, c'est bien. Je sais pas ce qu'il y a là. Et toi tu me... Toi tu m'emmerdes un peu. Pas vraiment un endroit simple à se déplacer là. I see them. Ok, terminé là. Ok, toi t'es mort, je crois que t'as laissé ton arme, enfin j'espère. Toi tu t'échappes. Bon, au final ça se passe bien, c'est juste que voilà, c'est un peu la galère là. T'es pas en panique, t'es en frénésie, c'est vrai. Just need to catch my breath. Come get some. Ready to fire. Ready to engage. All I need is a clear shot. Pas mal. Finger on the trigger. C'est pas mal, mais je voudrais le tuer. Merci. L'autre, il a dû revenir à ses esprits, du coup. Ok, objet par terre, très bien. Maintenant, je passe mon temps à regarder s'il y a des objets qui drop. Très bien. Ah, on a fini. Bon, j'espère qu'on a du... Des trucs. Trucs sympas. Putain, faut vraiment qu'on fasse les histoires, là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Pas mal. Alors, des chargeurs pour Go, ça c'est bien. Ah, on a eu un fusil à pompe des disciples, ça c'est cool. Et un chargeur. Deux! Cool. Nickel. Ouais, il faut absolument qu'on fasse ça. Pas mal. 1600 et 300. Putain, t'as-tu? Je suis content. Inspiration, très bien. Ça y est, toi tu vas pouvoir faire des trucs. Je crois que ça c'est bien pour un mec qui peut transporter des tourelles, non? Je sais pas comment ça marche. Je crois. Ouais, donc Rosa, elle a eu... Inspiration, éliminer un ennemi, octroie un point de volonté supplémentaire aux alliés, ça c'est cool. On a beaucoup de ressources. On a beaucoup de ressources, il va falloir faire un truc avec. Donc... On a toujours le fait de pouvoir faire des armes et des armures. Mais je pense pas qu'on soit vraiment après ça pour le moment. Donc on va dire un deuxième Helios. Je pense qu'on peut le faire. Ce qu'on voudrait aussi... Enfin, il y a plein de trucs à faire en fait. Deuxième Helios...
un site pour attraper les... Tu vois, Omega ? Omega, il va bien. Ah oui, attendez. Relais le satellite. Non, relais le satellite, on est en train de le faire. On voulait faire ça aussi. Confinement. Pendant un vivant, peuvent être détenus et maintenus en vie ici. Celui-ci, les grosses créatures prendront plus d'espace. Celui-ci est partagé entre tous les centres. Ok. Voilà. De ça, il nous en faut un. Donc le véhicule, on l'a pas encore. On peut échanger par contre pour des ressources. Alors, il nous faudrait du coup de la tech. Putain, c'est cher. Qui c'est qui peut nous vendre de la tech? Je sais plus qui il faut échanger avec qui. Ça c'est 10 à 2, c'est pas bien. 9, 2. De 8-2. Il faut aller méga loin. Sérieux. Bon, on va devoir attendre. Ah, pour de la nourriture. Ah oui, attends. Nourriture. Nourriture 8-2. Ouais, c'est pas mal ça. Mais ouais, non, mais c'est très loin en fait. 10-2, non. Ouais, 8-2 ici. On peut envoyer ça. Toi, tu rentres. Combien? 4-2, non, c'est bon. 4-5. Ok. Donc, on va pour un Helios, je pense. Un Helios supplémentaire. Très bien. Et maintenant, on rentre à la base. Ah, ils ont commencé leur système pour repousser la brume, je crois. Ok, évolution pandorienne. Très bien. Ok, on est prêt. On est prêt, donc on va faire ces missions là. Ah, là ça commence. Ça va bientôt être dans le rouge. Mais ouais, on va commencer ces missions-là, on est bon. Je crois qu'on va y aller encore une fois en véhicule. Scarab et personnel. On peut prendre les mêmes, je crois, honnêtement. On va pas le faire maintenant, on le fera le prochain épisode. Mais oui, je dirais pas non pour prendre les mêmes. On est en Ghost, en laser.
toi t'es en laser et ça. Adèle en gosse. C'est vrai que tu peux prendre même un fusil à pompe. Ça, on en a récupéré un. Toi, tu serais pistolet. C'est combien après? C'est 10, 15. Donc on aura un 25. 75 PC il faudrait en tout. Si on veut lui mettre la deuxième habilité, genre le tir de riposte. Ça fait beaucoup hein, quand même. Enfin, ça fait beaucoup, oui, mais bon. Hop, allez, on l'a fait. Tir de riposte avec ça, ça va faire mal, en théorie. Je sais pas si j'ai fait une bonne chose, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Je pense qu'on est bon. On a notre premier hybride. En classe, en tout cas. Tir de riposte. Nickel. La prochaine fois, on ira faire ça. Et cette fois, on change pas de mission. Voilà. On a du nouveau personnel. Voilà, ouais, on change pas. Fabrication, on est en train de faire donc un Helios. On a 500 et 200, très bien, parce qu'on avait fait les, on a fait les recherches, ça nous a donné un peu des ressources. Donc c'est bien tombé, ça nous a remis un peu en positif. Un peu partout. Donc c'est cool. On aura deux Helios bientôt. Je suis content. Je suis content, comme ça on ira assez vite. Et on pourra même faire, parce que le Manticore est quand même bien. C'est 6 personnes. On pourra même encore genre faire 2 Helios d'un côté et un Manticore de l'autre. Donc utiliser deux groupes, ça fonctionnerait. Donc ouais, on va aller faire ça la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.